Non mais Charlotte, bouge là parce que ça devient gonflant. Mais qu'est-ce qu'elle a encore hein? J'ai des problèmes. Non bah tu m'étonnes qu'elle a des problèmes. Moi quand j'ai des problèmes, je fais des tisanes. À la pomme de pain, c'est super efficace. On s'en fout de tes tisanes. En même temps Charlotte, un de perdu dit de retrouver. Ça va vachement l'aider ce genre de phrase. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais elle a mal à son âme humaine. Donc faut parler à son âme humaine. Ah ouais, tu la trouves où? Ah bah évidemment, toi. Son âme humaine, ça veut dire quoi? Elle est complètement... conne. Tu sais Charlotte, j'ai eu une histoire comme toi. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Ah ouais? Oh bah dépression, tentative de suicide, tout y est passé. Ah bah tu parles à son âme humaine. Il faut juste que tu zénifies la situation. Bah vas-y, zénifie-la toi. Pronom positif. S'est fait larguer par un con, c'est bien? Il était pas con. On le détestait tous. Ah bon? Non, on le détestait pas, c'est pas le mot. On était pas en accord avec ses chakras. On l'aimait pas, quoi. J'ai pas très envie de parler de ça. Bah va déprimer ailleurs. Merci les filles. Attention, hein. Ça c'est Célia, c'est pas moi. En même temps, elle a pas tort. Si tu vas ailleurs, ça te fera du bien. Tu veux que j'aille où? Moi, la dernière fois que j'ai fait ça... Est-ce que tu peux arrêter de tout ramener à toi, s'il te plaît? Je partage mon expérience. Parlons-en de ton expérience. C'est pour ramener l'autre con, là. T'as pas d'autre mot que con et conne dans ton vocabulaire? J'ai aussi ta gueule. Ah oui, c'est sûr, ça change. Non mais les filles, si c'est pour me dire ça... On te remonte le moral, là. On est avec toi. Le tout, c'est que tu captes nos énergies. Et si tu captes l'énergie de Célia? Ça va, ouais. Tu seras bien chargée. Non mais je t'emmerde, hein. Quelle énergie. Bon, je fais quoi avec lui? Moi, il y a 3 ans, j'ai eu la même histoire dans un camp de vacances. T'avais quel âge, il y a 3 ans? 12 ans. Qu'est-ce que tu veux comparer ton histoire de 12 ans avec Charlotte? Bah t'en prends un autre, Charlotte, hein. Enfin, si tu peux. C'est pas trop ce qu'elle a voulu dire, hein. Je le prends pas mal. Non, j'ai compris le message, Célia. Sinon, tu fais comme moi. Tu restes tranquille. Sans mec, quoi. C'est un choix. Ah non, c'est pas un choix. Mais si, c'est un choix. En même temps, Célia, toi... Oui. Bah, tu ferais bien de faire un petit choix quand même. C'est-à-dire? Bah, en prendre un peu moins. Excusez-moi d'avoir du succès. Enfin, là, à ce point-là, je suis assez d'accord. Alors là, vous êtes gonflés, hein. Mais personne critique ton mode de vie, hein. Si, je vois bien, là. J'ai une amie comme toi. Je m'en fous, Clémence, de son amie. On peut jamais passer un après-midi tranquille. J'ai envie de crêpes. Oh ouais. Bonne Nutella. J'aime pas ça. En plus, c'est long à préparer. Mais en fait, tu râles tout le temps, toi. Mais fous-moi la paix, toi. Bon, allez, je vais faire des crêpes. Je peux venir avec toi? Ouais, mais tu déprimes pas. Bon, ça, c'est mort. Hein. Je viens.